Salut, on est lundi, il est midi et demi. On s'apprête peut-être, rien n'est sûr, à aller à Leclerc parce que c'est clairement l'heure idéale hein, si tu veux pas qu'il y ait trop de monde. J'attends une confirmation parce que cet après, normalement, il bosse pas, sauf là, il était au téléphone. Il va peut-être être appelé pour l'examen, c'est le bac. Je sais pas, je pense que c'est peut-être le bac blanc, mais bon, bref, il est peut-être susceptible d'être appelé pour surveillance. J'attends confirmation, mais dans tous les cas, si c'est bon, eh ben, on file à Leclerc. On y va. Montre, en fait. Pardon? C'est montre le t-shirt. C'est celui, j'en achète jamais chez, je sais comment ça s'appelle, Action. Mais franchement, il rend bien. Hein? C'est pas chez Action? Si, si. Je t'assure que si. Truc de fou. Si, C'est si. pas chez Action? Je te dis que si. Bon, vous l'aurez remarqué. Résultat, on va le clair. Qu'est-ce que c'est? C'est un port USB, tu branches ça à ton téléphone et c'est un miroir grossissant qui fait bien sûr qui éclaire. Bizarre. Donc tu crois qu'elle est bien? Je n'ai pas la moindre idée. J'y connais absolument rien. 99 le drone? Non, 149. Et toi tu veux me filmer dans la maison? Eric a complètement craqué. Je vous montrerai ça à la maison. J'ai eu le droit à une très belle surprise de la part d'Eric. Je vous montre ça tout de suite. Il a voulu m'offrir un drone pour que je puisse dans mes vidéos faire des plans un petit peu plus pro et son argument c'était ça va nous forcer à sortir, c'est vrai. Mais ouais, top, un bébé le drone. Cache-toi, cache-toi, faut pas qu'on te voit après, tu vas demander. Il a pas mal de particularités et c'est alors il a surtout ce qui est top, c'est le follow me, donc il va suivre le sujet, c'est ça? Non, mais il filme d'abord, il est équipé d'une caméra. Ouais, en plus il est équipé déjà dedans d'une caméra et il y a le côté, il va jusqu'à combien? 100 mètres? 500 mètres? Je préfère pas le dire, C'est un truc de fou. c'est un truc de fou. Par contre, ouais, il est pas donné, hein. 240, 249. Hein. J'ai repris la base parce que nous n'en avions plus. Ils ont l'air bons. Pirulo, Happy et celui-là. Alors, la dernière fois, j'avais pris de la marque Oasis. Je trouvais que ça avait le goût de pipi de chat. Enfin, ça sentait le pipi de chat. J'ai pris autre chose. D'accord. Il y en a un qui s'éclate déjà. On a ça, je connais, c'est excellent. Ça, bon, pas bien, mais pour ce midi, le côté fromage frais, je trouve que ça apporte beaucoup. C'était pourquoi ça, ton câble que tu as pris, le câble USB? C'est pour ma carte son. Ta carte son. Ah, pour la musique. Ouais, je me dépêche. Vous savez que la dernière fois, je sais pas si je vous ai raconté, j'achète plein de surgelés. Je rencontre mon amie Marie-Jo, nous discutons, et j'avais pris un sac, je me suis dit, ouais, c'est bon, elle me dit, bah, passe à la maison, juste boire un café, je suis revenue, tout était fondu, j'ai tout jeté, super. Oh, il est beau. Waouh. Il est canon. Ah oui, t'as toutes les petites hélices à mettre, et il y a les télécommandes, ça. Mais ça s'amuse ici. Je m'en lasse pas. Regardez, tous les jours, il fait un petit coup comme ça. Ben oui. Viens de m'attacher les cheveux. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'Eric me soutient dans ma démarche YouTube. Parce que de prendre ça, c'est. Et voilà, il m'accompagne et surtout il fait en sorte que bah, je m'épanouisse encore plus, que mes vidéos soient de qualité, même si c'est vrai que ça va nous faire partager encore plus de moments, puisque ça va nous faire sortir davantage, même si on sort déjà pas mal. Mais ouais, non, c'est franchement top. Et j'ai reçu la Birchbox ce matin. À la base, je voulais vous faire face cam, mais non. Non, non. Par contre, elle est vraiment très belle ce mois-ci, enfin, en termes de déco de la box, vous allez voir, elle est très chouette. Le temps que je monte m'attacher les cheveux, regardez. Il s'est passé ça. Mais vraiment, je suis pas montée très longtemps, hein. Je me suis mis la petite barrette. Et Jackie, bah, il a squatté ma place. Bon, allez, je te laisse. Je vais aller de à côté pour vous montrer. Ça va si je vous pose là? Alors, regardez. Elle est très belle. Les couleurs se marient vraiment bien. Tout ce qui est un peu fuchsia avec le dégradé de vert, j'aime beaucoup. Je vous montre. Bon, déjà, c'est échappé tropical. On s'en doutait un petit peu. Hein. On a un petit boîtier comme ça. C'est une palette que j'ai utilisée d'ailleurs, vous allez voir. C'est des dégradés un petit peu dans les tons, si j'y arrive, violine. Voilà. J'ai essayé ça et ça. Je ne
Et bah c'est chouette, on a des mats, des irisés. Les couleurs en tout cas par rapport au fait que j'ai les yeux bleus, bah c'est parfait. Bon, c'est du plastique, c'est Steel London, voilà. On a également de la marque L'Oréal Professionnel, c'est un shampoing renforçant anti-casse, ça c'est bien. Voilà, c'est un format de 100 ml. Ensuite, alors pareil, je sais pas si d'une box à l'autre, je crois que tout le monde ne reçoit pas les mêmes choses. De la Roche-Posay, alors ça c'est cool, un produit pour les yeux. Il est anti-poche, il me semble. Et il est également, donc il convient à tous les types de peau, ça c'est très très bien. Et il est également sans parabène. Une crème à l'olive, crème corporelle fleur d'olivier pour le corps. Voilà, c'est un format de 40 ml, j'aime bien. La présentation est sympa. Et enfin, vous voyez, c'est rapide. Un petit format de 20 ml de la marque Canopée, Rooibos noix de coco Buriti, 100% d'origine naturelle et c'est une crème pour le visage, Wake Up Cream. C'est bien ça, ça a l'air, je pense que ça sent super bon. Je vais l'ouvrir, je vais sentir. Ah oui, bon, je m'attendais à une odeur un petit peu plus fun, mais bon, ça sent bon, hein, mais c'est pas un truc de folie non plus. Comme l'année dernière. En fait, ils nous disent que pour les box, donc on va recevoir les prochaines, c'est cumulé. On recevra juillet-août, c'est-à-dire qu'il y aura 10 produits à l'intérieur. Là, je ferai, je pense, une présentation. Je l'avais fait l'année dernière et c'est top. On a des trousses, on a plein de trucs et il y aura une jolie surprise en plus. Voilà pour la petite box de juin. J'ai vraiment hâte de tester le drone. Là, il est 4h moins 20. Eric a conseil de classe 5h30, je crois. Donc ça sert à rien, hein. Ça coupe l'après-midi. Peut-être au retour, je sais pas, s'il est motivé, s'il est pas trop crevé. Bah en fait, j'ai hâte, c'est de voir la qualité surtout, le rendu image, en pouvoir faire des plans, genre quand je marche, c'est hyper pratique. Après, il n'y a pas le son, forcément. C'est vraiment avec une musique d'ambiance et tout pour alimenter, pour faire des plans de coupe. Apparemment, tu me dis que c'est pas la bonne carte, c'est ça? Bah il est où? Elle est où? Ah bah ça. Ouais. Donc ça c'est pas bon. Bah pendant que tu vas à ton conseil, je vais aller la changer. Hein. Ok? Tu crois qu'on peut se le tenter après? Ouais, C'est vrai? bien sûr. Quand tu reviendras du conseil? Ouais. Si la batterie est rechargée. Ouais. Cool. Bon bah je vais aller à Leclerc pour changer. Et toi? Il me suit partout, mais vraiment. Tu sais qu'il était dans mon siège tout à l'heure. Je suis montée juste pour m'attacher les cheveux. Il a piqué mon siège. T'es gentil. T'as pas dormi avec moi cette nuit? Tu étais où? Tu as découché. Mais oui. On a perdu 10 degrés, mais il fait quand même bien lourd. Bon, voilà. Et du coup, il vous faut Micro SD 64 GB. Donc c'est les 64 gigas, donc on a celle-ci. Ouais. C'est en mini, c'est ça? Bon, bah c'est bon. Quitte à être Leclerc, je vais faire un petit tour chez Cache Cache Bonobo. De retour, je l'ai prise. Alors, honnêtement, ce qui m'a convaincue de l'acheter, ce sont les deux vendeuses qui m'ont vue avec et qui m'ont dit que ça m'allait très bien. Et bah, je me suis laissée tenter. Par contre, les cabines d'essayage avec les éclairages, les plafonniers, qui te font ressortir toutes tes cellulites au niveau des jambes, tu sors, tu ressors, tu es en dépression. Donc là, j'avais fait un petit break, ça faisait 4 fois, 4-5 fois que j'avais pas fait mes petits exercices là de sport, mais je vais reprendre. C'est non. Ah, elle est vraiment jolie. 39,99 quand même, cache-cache, les prises en 36. Non, c'est vrai que les couleurs sont plutôt originales. T'as coûté moins cher, non? Bah ouais, carrément même. 14 euros. Voilà. Ils m'ont remboursé directement sur ma carte alors que c'est toi qui as payé. Je suis vraiment une garce. C'est parti. Oh, il fait encore beau. Il est super haut, hein, le soleil. On vient d'arriver, on s'est trouvé un endroit un peu tranquille, mais c'est pas l'idéal parce qu'il y a des arbres. Alors comme c'est la première fois, il s'y connaît pas trop. Ce serait dommage de le péter. C'est un moucheron, c'est quoi? Et par contre, c'est... On va pas être dérangé par les droits à l'image. Il n'y a absolument personne. Pas d'habitation. Non mais il m'emmerde. Pardon. Voilà la bête au sol. C'est vrai que là-haut, bah, du coup.
Là, c'est quand même plus dégagé. Oh là là. Ça fait peur. Franchement, c'était pas évident. Il avait oublié la notice, donc il a dû regarder. On dirait un essaim d'abeilles. Ça aurait été beau d'aller là-dedans, non? Le drone est derrière moi. Vous voyez? C'est impressionnant. Wow. On fait une nouvelle tentative, on a changé d'endroit parce qu'il y avait beaucoup trop de branches et tout. Et là, le terre-plein est pas mal. J'en profite. Petit clin d'œil à toi Aurélie de la chaîne Aurélie sans chichi qui me dit que mes vlogs sont un petit peu trop courts. Je pense que celui-ci va être légèrement plus long. Voilà. Salut! Là nous avons un espace jeu, c'est cool, pétanque. Ah bah voilà, oh il maîtrise dis donc, direct, bam! Et monsieur droneur est là-bas. Ce qui est original c'est de filmer, de vloguer pendant que le drone me filme. Parce que si tu crois que je ne t'ai pas vu me filmer, c'est vraiment chelou quoi. À un moment donné, il était face à moi tout à l'heure, t'avais l'impression qu'il allait me tirer dessus. Je crois qu'il s'éclate, Eric là. Tu t'éclates hein? J'aurais dû prévoir de quoi pique-niquer. Marc, c'est crade. Ouh là 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 que c'est crade. Je vais pas vous mentir, ça fait vraiment bizarre, j'ai peur qu'il me tombe dessus. Waouh! Je pense qu'il y a une jolie photo à faire. Je vais me tenter de faire une photo toute seule avec le retardataire. Tiens. Je pense qu'il n'a pas osé venir jusqu'à moi. Comme il y a la route, il y a de l'eau, il ne maîtrise pas, je comprends. Ah mais non, en fait, c'est abîmé, c'est pas sale. Alors Eric me dit qu'il y a de fortes chances que ça n'ait pas du tout enregistré les prises drone. Ouais. Parce que ça met un point d'exclamation sur la carte. Quoi ? On va le faire. On va faire quoi ? Oh ! Oh la vache ! Oh ! Tu me fais flipper là, Eric. Je me fais tout seul. Mais ça fait flipper ! Tu maîtrises ou pas là ? Super. Bravo ! Non, non, c'est bien. Waouh, bravo. Et ça c'est automatique. J'ai dû venir me voir, il est venu me voir automatiquement. C'est cool, vous avez vu? Tu filmes l'intérieur? Ouais. C'est pas mal hein. Alors là, on démarre les hélices. Tu vois? Mm-mm. On va décoller lentement. Non, parce que j'ai le problème, c'est que quand je regarde en l'air, je vais t'avouer un truc. J'ai le vertige. Ah merde, ah ouais? Ouais. Ah, il est pas content. Oh là 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 là. C'est le moment de vérifier si ça a marché. Putain, ça n'a pas marché. Il n'y a rien. Bravo, Eric. Bon, ma Michel n'a rien donné. Il va falloir que tu te perfectionnes. Hein. Je suis déçue. Bon, regardez ce qu'on est obligé de faire. Regardez des tutos pour que ça fonctionne. T'es fier de toi? Non, tu m'étonnes. On est en train de regarder le tuto jusqu'au moment où le gars montre les images, puisque nous, on n'a pas encore vu le résultat, puisque ça ne fonctionne pas. Et là, bon, t'as Eric, t'as vu, c'est beau. Comment te dire, en fait, c'est l'image, elle n'est pas stable du tout. Ça bouge, j'ai envie de vomir. Ça fait en plus, je déteste l'effet fisheye. Donc, c'est pas du tout l'horizon. C'est tout est plus ou moins rond. Voilà, donc 250 €. Je lui dis, écoute, moi, si c'est ce genre de résultat, je ne mettrai pas ça dans mon vlog. Donc, c'est inexploitable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tester demain. S'il arrive à filmer, je regarde sur l'ordi et je lui dis oui, non, je garde ou pas. Après, est-ce que Leclerc acceptera de le reprendre? Mais non. Ça, moi, je préfère être honnête et j'ai préféré dire à Eric. Voilà, j'y vais parce que ça va cramer, là, j'entends. On a su faire réchauffer les pattes. Après, je comprends complètement qu'il soit déçu. Hein. En plus, il a voulu me faire plaisir, puis c'était fun, je crois qu'il s'est éclaté. Il est 21h30, je vais regarder ma série, c'est sur OCS, Big Little Lies, c'est pas mal. Et je vais en profiter, je vais clôturer maintenant ce vlog, et puis vous faire un gros bisou, vous dire à demain dans un nouveau vlog. Salut!